I started running, it stopped being fun and making myself numb isn't helping. I got to learn to deal with the way I feel. If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. Things are getting crazy, lately I'm in hazy. Oh, and I've been praying someone will come and save me. The birds are flying south, I'm frozen in my doubt. Got no way to go from here, so I'll stick around. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai introduit cette vidéo avec, comme vous pouvez voir, une voix totalement explosée, puisqu'en fait en ce moment je suis malade. Donc j'ai une toux et en même temps je commence à être enrhumée, du coup je commence à parler du nez, ça ne va pas du tout. Pour vous expliquer justement le concept de cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de prendre cette journée pour glow up ma routine pourrie depuis que je suis rentrée il y a une semaine de mon week-end d'intégration. En fait pour tout vous dire, je suis rentrée mardi soir de mon week-end d'intégration, mercredi j'ai eu cours toute la journée et jeudi, vendredi et samedi j'étais au travail pour mon alternance, donc j'ai pas du tout eu le temps de me remettre de toutes ces émotions de mon week-end d'inté. Et d'ailleurs si vous avez pas vu, j'ai fait un vlog de ce week-end avec mes amis, franchement cette vidéo est à mourir de rire, donc si vous l'avez pas vu je vous la remets juste ici. Mais quoi qu'il arrive, depuis que je suis rentrée j'ai accumulé beaucoup de retard sur mon boulot pour l'école, sur mon boulot pour l'alternance. En plus de ça je mange n'importe quoi, je sais que quand on était au Way je mangeais des frites au petit déjeuner, donc c'était déjà n'importe quoi. Et depuis que je suis rentrée j'ai pas très faim, donc c'est vraiment mon alimentation, c'est parti en cacahuète totale. En plus ma chambre c'est un bazar monstre. Enfin bref, du coup j'ai décidé de prendre cette journée pour glow up un peu cette routine nulle que j'ai depuis que je suis rentrée. Ça a commencé ce matin, j'ai pris une petite douche, j'ai mis mon nouveau pull que je me suis acheté hier, que j'aime d'amour. Et voilà, et on continue ensemble cette journée pour glow up, parce que là c'est n'importe quoi. Sachez que j'ai vraiment honte de vous montrer ça, mais la première étape ça va être un grand rangement de chambre, parce que comme vous pouvez voir j'ai vraiment accumulé un bazar monstre depuis que je suis rentrée. Donc là je peux pas vivre là-dedans, genre il y a rien, je peux pas être organisée quand ma chambre n'est pas organisée. Ma maman comprendra très bien ce que je vais dire à ce moment-là, mais en fait quand c'est rangé dans ma chambre c'est rangé dans ma tête. Et du coup là je vais ranger tout ce bazar accumulé depuis une semaine. Partir dans ma chambre, mais j'ai terminé mon rangement. Franchement je suis trop fière, j'ai pas tout rangé de fond en comble, genre j'aurais pu trier mon armoire au passage et tout ça, mais au moins à l'extérieur c'est rangé et c'est beaucoup mieux quand c'est rangé dehors. Donc je vous montre tout ça et après je me mets à bosser pour mon école, parce que on a un gros projet à rendre en groupe pour dans une semaine, et avec mon groupe nous n'avons absolument rien commencé. Donc juste après je fais ça, mais je vous montre déjà ma chambre. Ça fait 2 heures que je bosse à fond sur mon projet pour l'école. Il est 14h12 et du coup j'ai très faim. Donc avec ma maman, hier soir on avait fait d'avance des légumes grillés au four. Je vais prendre de ça avec une petite salade je pense. Et voilà, je vous montre tout ça, mais j'ai grave faim, il est 14h, il est plus que temps là. Alors là je viens de mettre de la salade et du chou rouge dans mon assiette. En fait j'ai la flemme de faire des cuissons, du coup je vais rien cuire, mais c'est pas très grave. Je vais prendre aussi un bout de tofu à l'ail des ours. Je vais prendre la moitié seulement, ça me suffira. Donc là, c'est ce tofu là. Je le trouve trop bon, c'est un de mes préférés. Et du coup, je vais le couper en cubes dans ma salade. Et maintenant, je vais rajouter des légumes grillés. Donc dedans, il y a panais, carottes, oignons et courges. Je vais essayer de récupérer le fond de cette sauce que j'adore et j'en ai plus du tout. Donc il va falloir que j'aille dans le 13e pour en récupérer. C'est une sauce salade à base de sésame. Elle est vraiment trop bonne. Et dernière étape, je vais rajouter des graines de courge, parce que dans la salade, je trouve c'est trop bon de mettre des graines de courge. Bon, alors nous allons goûter cette salade ensemble. Je rajoute un peu de poivre parce que si vous ne me connaissez pas, je mets toujours une tonne de poivre sur mes plats. Voilà pour la belle salade hivernale, automnale. Je ne sais pas dans quelle saison on est en automne. On va dire la salade automnale. Prendre un petit bout de tofu, un petit bout de salade, un petit bout de courge. Une bouchée parfaite. Trop bon. En fait, je suis en train de faire une journée dans mon assiette dans cette vidéo, sans faire exprès. Je suis en train de me rendre compte. Je vais manger devant ma petite série et on se retrouve tout à l'heure pour,
pour blablater et pour continuer cette journée ensemble, pour glow up un petit peu. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente de moi puisque je mange bien, j'ai rangé ma chambre, j'avance sur mon travail. Donc, tout va bien et voilà, je vais manger. Bon, on commence à ne plus du tout avoir de lumière, mais je vous montre sur quoi j'ai bossé toute la journée. J'ai fait tout ça. Clac, clac. Voilà. Du coup, j'en suis assez fière, mais ça m'a pris pas mal de temps et je n'ai absolument pas fini. Donc on continue. Hein. Bon les amis, je suis grave désolée, j'ai pas du tout suivi hier la vidéo, mais en fait hier soir j'étais grave malade, donc du coup je suis allée me coucher hyper tôt. C'est pas grave, on continue, on est le lendemain et on continue de glow up, mais du coup sur 2 jours. Et je voulais vous montrer ce que je me suis fait ce midi pour ma pause déj. Je suis en télétravail aujourd'hui et je me suis fait un truc, ça a l'air trop bon, je vais vous montrer. Alors en gros ça ressemble à ça, en fait j'ai toujours mes légumes grillés d'hier et avec je me suis fait du seitan caramélisé. Donc le seitan, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une alternative à la viande en fait, donc c'est 100% végétalien. Et celui-ci vient de chez Coro, il est pas cuisiné et moi je l'ai fait griller à la poêle avec de l'huile de sésame, du sirop de sucre de coco et de la sauce soja et ça a l'air trop bon. Je viens de terminer ma journée de boulot et toujours dans une optique de prendre un peu soin de moi et de me faire plaisir, j'ai décidé de me refaire ma manucure parce que là c'est n'importe quoi, il n'y a rien tout simplement. J'utilise vraiment plus que ça. C'est la gamme de vernis de chez Manucuriste, donc c'est des vernis semi-permanents qu'on fait soi-même à la maison en fait. Et du coup déjà je vous en parle là parce que pour Noël ça peut être une superbe idée de cadeau de Noël. Et du coup là c'est ce que je vais faire, je vais prendre cette couleur là, c'est une sorte de vieux rose. Et voilà, et si jamais vous voulez commander et me soutenir en passage d'ailleurs, vous pouvez passer par mon lien qui est dans la... dans la barre d'infos de cette vidéo. Mais du coup je vais faire mes ongles, donc je vais les limer un petit peu parce que là il y a vraiment zéro forme en fait, j'ai tout arraché il y a genre 2 jours parce que j'étais stressée. Dites moi dans les commentaires d'ailleurs si vous vous rongez ou arrachez les ongles ou si pas du tout, parce que ça m'intéresse de savoir si vous êtes nombreux dans mon cas. J'ai envie d'en profiter pour un peu blablater avec vous parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram comment se passait ma rentrée dans ma nouvelle école, etc. C'est vrai que je vous ai pas trop donné de nouvelles, mais du coup genre vraiment je me dis, enfin vu comment je kiffe mon école, je me dis c'est fou comme rien n'arrive pour rien. Parce que du coup au début de l'année, comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo story time de tout a changé en une semaine, je devais pas du tout intégrer cette école et au final je me suis jamais sentie aussi bien dans une école qu'aujourd'hui. Désolée, c'est un ami de la fac justement, enfin de la fac, c'est un ami de mon école qui m'envoie un message. Mais bref, je me sens trop bien dans cette école, j'ai rencontré des gens, c'est des amours. Et en fait moi j'ai cours que les mercredis et pour tout vous dire là il me manque, mais vraiment on est mardi, du coup je les revois demain et il me manque trop. Genre je sais pas comment je vais faire toute l'année en les voyant que le mercredi. Mais voilà, j'adore mon école, les matières que j'apprends elles sont trop cool, les gens que je rencontre sont trop cool, donc tout va bien, voilà. Bon, je me suis attachée les cheveux parce que sinon je vais galérer, enfin je galère avec mon vernis. Donc là j'ai mis le top coat et je vais mettre maintenant la première couche de couleur. Et il y avait autre chose dont je voulais vous parler, si j'arrive à ouvrir ce flacon d'ailleurs. En fait je reçois plusieurs messages sur Insta qui me demandent si tout va bien parce qu'il est vrai que je suis beaucoup moins présente ces derniers temps. Et pour tout vous dire, j'ai un peu du mal à conjuguer mon alternance, mes cours, mes amis, mon copain, ma vie de famille, etc. avec les réseaux sociaux YouTube et Insta. Et du coup c'est vrai que je suis beaucoup moins présente et honnêtement ça me saoule de ouf parce que genre vous faites carrément partie de ma vie et j'ai pas du tout envie de délaisser que ce soit YouTube ou Insta, mais j'essaye de faire au mieux et du coup c'est pour ça que j'arrive encore à sortir au moins ma vidéo hebdomadaire sur YouTube. Mais c'est vrai que sur Insta j'ai un peu du mal, ça fait littéralement 2 semaines que j'ai pas pris de photos, donc en fait j'ai juste plus de photos à vous poster. Mais en tout cas sachez que je vais trouver le rythme, c'est juste une question de temps et d'organisation, mais ça va le faire. Et voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que je reçois pas mal de messages de votre part et c'est adorable que vous vous inquiétiez de ça d'ailleurs. Elle est trop belle cette couleur, j'adore. Par contre parler et faire le vernis en même temps, déjà que normalement je suis pas douée, alors là on est sur un truc. On est le soir, la lumière est vraiment pas ouf, mais j'essaie de vous montrer un petit peu
ce que ça donne si mon téléphone veut bien arrêter de sonner. Voilà, du coup j'ai fait un rose nude. Comme vous pouvez voir, les vernis sont ultra brillants et franchement ça, je trouve ça trop trop beau. Voilà, j'espère que vous vous rendez bien compte. Et là du coup ça va durer à peu près entre 2 et 3 semaines, donc ça c'est trop bien. On se retrouve dans ma cuisine parce que ça reste la pièce où il y a la meilleure lumière dans tout mon appartement. Mais du coup, je voulais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a plu de passer un petit moment dans votre semaine avec moi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me soutient énormément quand vous mettez des commentaires, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mon compte Instagram. Et en tout cas, d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, kiffez la vie et ciao. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be.